Hey, coucou! J'ai complètement oublié de filmer depuis ce matin. Bon, ça va, il est pas tard, il est 10h40. Mais je me suis réveillée entre 8h30 et 9h. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, regardé mes petites vidéos sur YouTube. Je me suis occupée de gérer mon administratif, donc Pôle emploi. Je suis en train de gérer l'URSSAF. J'ai sauvé in extremis. Le chargement de la vidéo YouTube, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mon ordinateur était pourtant branché, mais il s'est éteint dans la nuit. Alors, est-ce que j'avais plus de batterie? Non, ça m'étonnerait, c'est impossible. Je sais pas. Il s'est. Enfin, c'est impossible. Il s'est éteint dans la nuit, soit. Le chargement de la vidéo ne voulait pas reprendre. C'était arrêté à 98% et ça ne voulait pas reprendre pendant plusieurs heures et d'un coup, ça s'est chargé. Donc, enfin, j'ai essayé de la remettre à nouveau et il est reparti sur l'ancien chargement et il a refait les 2% qui manquaient. Donc, tant mieux. Elle est en ligne. Elle sortira à midi, comme d'habitude. Voilà. J'ai répondu aux commentaires des autres vidéos, aux messages sur Instagram. J'ai bien avancé ma journée. Il ne pleut pas, donc je vais pouvoir m'occuper aujourd'hui de ranger tout mon stock dans le coffre, de sortir aussi du stock de nourriture que j'ai dans le coffre justement que je n'ai plus à l'avant, donc j'ai plus de café, je vais sortir des nouilles, des choses comme ça. Et je vais aller voir ces fameuses cascades et aujourd'hui je pense que je vais pas faire beaucoup plus que ça. Ah si, là je vais m'occuper de tous les sous-titres de toutes mes vidéos, en français pour l'instant, parce que ça c'est quelque chose que je veux absolument faire. Donc je vais faire ça maintenant tout de suite. Bon, il est 13h. Et je me rends compte que je ne filme pas du tout, je ne pense même pas au vlog, parce que je suis à fond dans mes trucs et j'ai crashé mon site internet. De d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment très bien en WordPress et en codage, je crois que c'est du. Je sais même pas ce que c'est comme code sur WordPress. Franchement, je ne sais plus. Mais si quelqu'un s'y connaît et peut m'aider à débugger, en fait j'ai voulu faire la mise à jour WordPress et j'ai un gros bug, erreur fatale, machin, j'ai plus de site. Donc n'hésitez pas à venir à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram parce qu'il faut que je débloque ce site internet. Alors j'ai demandé de l'aide à mon hébergeur, mais c'est pas trop leur taf à eux de gérer ça, de gérer mon compte WordPress et tout ça, donc on verra. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je suis partie en cacahuète encore. J'ai fait un tri dans mes mots de passe et mes identifiants pour justement récupérer, essayer de récupérer tout ce que je pouvais sur mes sites internet, mes hébergeurs et tout ça, et pouvoir les mettre dans un fichier sécurisé parce qu'en fait je les connais pas, parce que je me perds entre l'hébergeur, le cPanel, l'identifiant WordPress, la connexion au backup de mon site. Il y a trop de choses différentes en fait, il y a trop de comptes, il y a trop de codes, en plus c'est des codes que j'ai générés automatiquement pour de la sécurité, donc c'est pas des codes que je peux retenir facilement et je m'y perds et je sais plus me connecter à mes comptes, enfin bref. Tout ça pour dire que je suis partie en cacahuète parce qu'à la base, je voulais simplement gérer mon URSSAF. Alors on va reparler encore de ce cerveau qui part en cacahuète quand j'ai des tâches à faire. Je voulais gérer mon URSSAF. Je me suis rendu compte que j'étais radiée de l'URSSAF. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'avais une société du coup. J'ai été radiée de l'URSSAF en décembre 2021, alors que j'ai des déclarations d'URSSAF depuis, donc c'est insensé. Mais du coup, j'avais une boutique en ligne, donc je n'ai plus de société, donc j'ai plus le droit d'avoir une boutique en ligne. Donc j'ai essayé d'aller mettre ma boutique en hors ligne. J'ai galéré pendant je ne sais pas combien de temps pour qu'il n'y ait plus ma boutique sur mon site, parce que je ne voulais pas supprimer, je voulais juste mettre ça en hors ligne. C'était une vraie galère. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, je suis sur mon site, je vais mettre à jour WordPress parce que ça fait super longtemps que je devais le mettre à jour. Je le mets à jour, je clique, plus rien. Plus rien. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus débloquer. Donc, là, de là, je suis allée sur l'assistance de mon hébergeur. De là, il m'a demandé certains accès à certains,
à certains comptes. Donc je suis allée dans mes mots de passe et mes comptes et tout ça, et d'où ce tri dans mes comptes et dans mes mots de passe. Je suis vraiment partie très loin. Et je me suis rendu compte que j'avais toujours accès à une formation de comptable que j'ai jamais terminée. Un gradué de comptable. Donc je me demande si je vais pas la terminer. A priori, je peux encore faire les. Je peux encore passer l'examen. C'est une formation qui a coûté cher, c'est mon ancien employeur qui me l'avait payée. Et je l'ai jamais terminée, j'ai jamais passé les examens et je pensais que je pouvais plus. Donc peut-être que je vais faire ça parce que ça pourrait m'aider à trouver un taf qui me fasse gagner de l'argent assez rapidement. Donc bref, tout ça pour dire que je suis partie en cacahuète, j'ai rien filmé et je suis toujours dans mon lit en pyjama, 13h06, je vais manger. Je vais manger et puis voilà, la vidéo est en ligne, elle marche pas du tout, je sais pas, il n'y a pas de visibilité ou 9 vues, non. 50 vues sur la vidéo. Je crois zéro commentaire. Ah si, ça y est, il y a deux commentaires. Bon. Il y a des vidéos qui marchent, il y a des vidéos qui marchent pas. C'est comme ça, c'est la vie. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne connais pas bien l'algorithme de YouTube, mais c'est pas très grave. Bon, ah bah si, je sais. C'est parce qu'on est samedi. Et vous avez une vie, en fait. Ok, ça doit être ça. Et bah c'est pas bien, ça veut dire que vous regardez plus les vidéos quand vous êtes au travail que, que quand vous êtes en week-end. Bravo, hein. Bravo. J'ai mal au bras et je parle trop. Et donc je retourne à mes occupations. Non, je vais manger. Et ensuite je retourne à mes occupations de sous-titres parce que je les ai toujours pas fait. Bon, eh bien j'ai récupéré mon site internet et je ne sais pas comment. Je n'ai rien fait. Le gars de la maintenance n'a rien fait. C'est un mystère. Écoutez. Tant mieux. Le site fonctionne. Et bah tant mieux. Bon, heureusement que Litchi est là pour me rappeler que c'est l'heure de manger. Hein? Pour me rappeler qu'il est 17h parce que moi j'ai toujours pas mangé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger? J'arrive. Je suis contente, j'ai réussi à finir la traduction en anglais de la vidéo du 20 tours de José. C'était beaucoup plus long que ce que je pensais parce qu'en fait, en français, il y a une option qui permet de mettre un bloc de texte et c'est YouTube qui va automatiquement mettre les bonnes phrases au bon moment. Et en anglais, il n'y a pas cette option-là, donc c'est moi qui dois découper le texte et le mettre au bon moment sur la vidéo. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Donc du coup, l'anglais a été beaucoup plus long que le français. Et avec tout ça, il est 16h50. Et en fait, je me rends compte que quand je me lève pour donner à manger à Litchi, que j'ai envie de faire pipi, que j'ai faim, que c'est un truc de fou quand je suis focus sur un truc, j'oublie tout. C'est un peu comme Litchi quand elle a un bâton. J'oublie mes besoins vitaux. Je me rendais même pas compte à quel point j'avais froid. C'est pareil, c'est quand je me suis levée que j'ai mis un pull parce que je me suis rendu compte que j'avais hyper froid. Donc je vais me faire à manger, ça va me réchauffer, ça va me faire du bien. Est-ce que je me décale? Il est 17h, est-ce que je mange maintenant ou est-ce que je me fais un chocolat chaud et que j'attends un peu pour manger? Telle est la question. Je vais voir. Et je suis trop une meuf à l'international. Bon du coup, ni chocolat chaud, ni vrai repas. Je vais finir ma part de pizza d'hier. Et ce soir, je vais me faire une petite fondue savoyarde. Et ça, je garde. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'en fais.
Bah oui, mon cœur. Encore, d'accord. Donc aujourd'hui, bah, je vais m'attaquer au lanterneau. Et Bon. Alors, bonsoir. Il est 21h49. J'ai trop cru que j'allais pouvoir faire tous les sous-titres de toutes mes vidéos aujourd'hui. Lol, je suis trop drôle. Je suis vraiment trop drôle. J'ai fait deux vidéos plus la vidéo où j'ai rajouté l'anglais. Donc, si jamais la vidéo je répare mon lanterneau 1 sur 2 et la vidéo de mon van tour sont sous-titrées en français maintenant. Donc je suis contente, c'était très long mais c'est fait. J'appréhende demain parce que je sais pas si je vais réussir à m'empêcher à le faire demain. Ouais, c'est compliqué dans ma tête, je vous l'ai dit. Mais maintenant que j'ai commencé, j'ai envie de finir. Sauf que demain, il faudra que je me force parce que demain, il fait beau, il faut que j'aille dehors. J'ai pas mis le nez dehors de la journée. Vous avez bien vu, de toute façon, à chaque fois que je me suis filmée, j'étais dans le même angle de mon lit. Bon, je vais me faire à manger. Enfin, je vais me manger. Parce que. Enfin, je vais me faire à manger, je vais manger. Parce qu'il est donc 21h50 et qu'il faudrait peut-être que je mange. Hein. Aujourd'hui, je me suis nourrie de tartines de pâte à tartiner et d'une part de pizza. C'est très grave. Hein. J'ai oublié de boire, à chaque fois j'ai bu quand je me suis levée. Bref. Bon, allez, je vais manger. Voilà. J'ai galéré à faire fondre ce truc et il va vite redevenir dur, donc je vais manger. Eh ben franchement, heureusement que je ne fais qu'un repas par jour en fait, hein, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mangé. Je me suis refait une casserole de fromage après, je me suis recoupé du pain et c'était beaucoup trop. Et en plus, je vais être obligée de manger un dessert parce qu'il faut que je vous montre un truc. C'est de la dévotion là, c'est vraiment juste pour vous. Je vais être obligée de manger un dessert après. En attendant, je vais faire le montage tout de suite. J'ai plus de forfait internet. Il me reste 14 gigas, un truc comme ça. Donc peut-être que ça va suffire pour la vidéo d'aujourd'hui parce qu'elle va être courte. Mais par contre, ce sera peut-être la dernière. La dernière de jusqu'à au moins le 6 octobre que mon forfait se recharge. Voilà. Bon, j'ai fini le montage, mais c'était pas compliqué, c'est très court puisque j'ai rien de très intéressant à vous montrer aujourd'hui. Je vous montre mon dessert, mon péché mignon. Donc, quand je dis pâte à tartiner, c'est parce que je sais jamais comment ça s'appelle, donc nocciolata. Et mon péché mignon, c'est de garder les croûtes de pizza, et même quand il y a de la sauce tomate et tout, et de faire ça. Je fais ça. Bon, il fait froid, donc elle est pas très liquide, hein. Et je mange ça. Voilà. Vous savez tout.
Moi, je vais finir ma pizza, pizza chocolat. Je vous dis à demain ou après-demain ou au 6 octobre. Ah, je sais pas quand je pourrai recharger une vidéo, franchement. J'espère à demain, parce que demain, c'est cascade. À bientôt, des bisous. Marie voyage dans le Rafiki.